Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a confirmé l'élection de Rochmar Christian Kabore, avec quelques modifications, notamment l'annulation des résultats de 83 bureaux de vote sur près de 18 000 bureaux de vote. Le candidat du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, obtient 53,46%, soit la majorité exigée pour être élu dès le premier tour. Nous voulons féliciter la Cour constitutionnelle qui est allée vraiment au fond des choses, vérifier les résultats et avant de les proclamer. Je crois que tout le monde est d'accord ce soir avec la Cour constitutionnelle. Donc nous félicitons la Cour constitutionnelle et tous les organes qui ont concouru à une élection apaisée, transparente et équitable dans notre pays. Tous les 13 autres candidats avaient reconnu leur défaite. Son principal rival, Zéphirin Diabré, avec 29,62%, avait félicité le président nouvellement élu avant même l'annonce des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Cette confiance encore est réitérée ce soir et permet à notre pays d'ouvrir une nouvelle ère sous donc la présidence de Kabore Marc Christian. Et nous souhaitons que Dieu l'accompagne afin qu'elle contribue, comme il a dit, au bonheur de tous les Burkinabés. Tous les fils et tous les fils du Burkina doivent travailler à faire que ce pays soit le meilleur, soit le plus beau, soit le plus grand. Et c'est ce que nous allons faire tous les jours pendant ce quinquennat. L'élection de Rochmar Christian Kabore permet au Burkina de renouer avec la normalité constitutionnelle, interrompue en octobre 2014 par une insurrection populaire. Le président nouvellement élu sera investi le 29 novembre 2015, la première passation de pouvoir entre deux présidents civils depuis l'indépendance du pays.